Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc récemment, j'ai entendu parler des bucket lists. J'ignore si vous savez ce que c'est. Mais en fait, une bucket list, ben c'est une liste tout simplement, et c'est certaines choses que l'on voudrait faire avant de mourir. Donc il existe également des bucket list scolaires. Ben, d'ailleurs, j'ai une bucket list classique et également une bucket list scolaire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ma bucket list. Donc il y a 30 choses que j'aimerais faire avant de mourir. Et j'ai également ma bucket list scolaire. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voudriez que je fasse une vidéo avec la bucket list scolaire. Ce serait sympa. Parce que vous voyez, maintenant j'ai récupéré une pochette et je mets tous mes scripts de vidéos dedans. Mais bon, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, sinon ce serait pas drôle. Vous saurez mes futures vidéos, donc ça va pas être sympa. Mais vous savez déjà une chose, c'est qu'il y a la bucket list scolaire dedans. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires pour que je fasse une vidéo là-dessus également. Donc si cette petite vidéo où je vous présente ma bucket list vous plaît, et ben n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous plaira un max. Et si jamais, et dites-moi par exemple si un de mes rêves que j'ai dit dans cette vidéo, si pour vous ça vous paraît improbable, si c'est des choses qui vous étonnent ou quoi, ça me ferait plaisir de le savoir. Et n'hésitez pas, ben, pas forcément à la partager, mais vous pouvez faire également votre propre bucket list, ça peut être sympa. Donc là, donc, comme je vous ai montré, j'ai ma petite bucket list en couleur, voilà, mais vraiment recto verso. Donc il y a 30 choses que j'aimerais faire avant de mourir, et je vais partager ça avec vous, voilà. Donc la première chose que je voudrais, c'est être heureuse. Bon, si je dis pas que je suis malheureuse ou quoi, j'ai une bonne vie, j'ai de très bons amis, une famille qui m'aime, mais je veux dire être heureuse tout le temps, toute ma vie, même si je sais qu'il y aura des passages difficiles, mais voyez, ne plus être en dépression et tout ça. J'en ai même parlé dans une vidéo où justement je parlais du thème de la dépression et tout, donc si vous ne l'avez pas vu, si j'y pense, je vous le mettrai dans le petit i, voilà, où je parle justement de la dépression et tout ça. Je vous raconte mon histoire, des conseils et tout. Donc je voudrais ne plus vivre ça ben, le reste de ma vie. Bon, la deuxième chose, ce serait de faire le tour du monde, parce que je rêve de voyager, je rêve de visiter d'autres pays. Et j'aimerais bien ben, voir d'autres pays en dehors de l'Allemagne et de la Pologne. C'est pas que je les aime pas, mais bon, j'ai envie de voir ailleurs, si je puis dire. Mon troisième, ce serait de publier un de mes livres, parce que dans la vidéo de 20 faits sur moi, si j'y pense, je vous la mettrai également en haut, et ben j'avais dit que j'écrivais des livres à un moment, et il y en a certains, mais des fois je continue d'écrire un petit peu, et je voudrais bien peut-être qu'un jour il soit publié ou quoi. Donc ce serait sympa. Ensuite, ce serait de faire du volontariat. Donc, ben, par exemple, aider, ben, les personnes qui sont dans le besoin ou même dans les pays pauvres, les continents pauvres tels que certains pays africains ou quoi, leur porter, leur venir en aide, les enfants malades ou quoi, j'aimerais beaucoup faire ça. En cinquième, ce serait pour faire de la plongée sous-marine, donc vraiment faire la plongée, découvrir ben, les... Bon, pas aller au l'eau plus profond non plus, mais voir... comment c'est sous l'eau, les poissons et tout ça, ça a l'air vraiment bien. J'aimerais bien faire ça. Ensuite, sixième, ce serait de s'inscrire à The Voice. Voilà, donc ça serait pour s'inscrire à The Voice. Donc que ce soit même The Voice Kids, bon je pense pas que j'aurai encore l'âge, mais au moins s'inscrire au vrai The Voice, ce serait vraiment un grand rêve. Ben, je sais même pas comment on fait, c'est ça qui est dommage. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui sait, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Ensuite, ce serait, pourquoi pas, apprendre de nouvelles langues. Parce que, ben, donc, du coup, je parle mes deux langues maternelles, le français et le polonais.
Et en plus de ça, je parle anglais et allemand. Mais pourquoi pas apprendre deux nouvelles langues, ce serait sympa. Ensuite, ce serait en 8e, faire un petit tatouage, mais vraiment quelque chose d'assez discret. J'ignore où, mais voyez, un petit tatouage qui résume bah, en une seule image ma vie en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais juste un petit truc qui résume ma vie. Voilà. Donc que ce soit peut-être un infinity ou quelque chose comme ça, mais juste un petit quelque chose qui résumerait mon histoire en fait. Qui raconterait mon histoire, mais juste en un dessin. Voilà. Ensuite, ce serait apprendre à jouer d'un instrument. Parce que là-bas, derrière ce rideau avec des bandes, là-bas, il y a la guitare de mon papa, mais je ne sais malheureusement pas en jouer. Donc je voudrais bien avoir le temps et puis la motivation aussi d'en apprendre. Et pourquoi pas également le violon ou un autre instrument. Ce serait sympa. En 10, sauter en parachute. Faudrait que je fasse ça au moins une fois dans ma vie. Parce que ça a l'air vraiment hippique. Surtout que ben, si je l'aurais fait une fois, je serais fière parce que j'aurais peut-être pas l'occasion de le refaire. Donc ce serait génial. En 11, remporter un prix. Donc que ce soit par exemple un prix Nobel ou quelque chose, ben, si j'ai fait quelque chose en particulier ou quoi. Donc ce serait sympa. Ou même tout simplement si c'est un concours, comme par exemple The Voice. Imaginez, je participe à The Voice et je gagne. Ça en fait partie également. 12. Apprendre le langage des signes. Donc ça va apparaître vraiment. Parce qu'imaginez par exemple, malheureusement, j'ai un enfant et puis celui-ci est sourd. Et ben ça serait bien pour que je puisse déjà l'apprendre ça en avance, si je puis dire. Voilà. En 13, faire un safari en Afrique. Donc bah, découvrir les animaux d'Afrique et tout ça, sachant que bah, malheureusement certaines espèces sont en voie de disparition, donc peut-être essayer de les voir avant qu'elles ne disparaissent complètement, ce serait génial. 14. Écrire et enregistrer mes propres chansons. Donc vous savez, j'aime beaucoup chanter et j'aimerais bien, bah, pourquoi pas, qui sait, enregistrer mes propres chansons. Et les écrire, et puis même qui sait, enregistrer, faire des albums ou des choses comme ça plus tard, ce serait vraiment bien aussi. En 15, pourquoi pas lancer ma propre marque? Dans la marque, elle porterait le nom peut-être de la chaîne Juju Écolo ou quoi. Mais ce serait sympa, par exemple, une marque de vêtements ou même pour. Bah voilà, bah lancer une marque tout simplement en fait. Rencontrer une célébrité, que ce soit chanteur ou youtubeur. J'aimerais beaucoup rencontrer même par exemple des youtubeurs, ils pourraient par exemple me donner des astuces pour mes vidéos, ce serait génial quoi. Si je pourrais en rencontrer au moins un, ne serait-ce qu'un, ou même un chanteur par exemple, et puis ça pourrait peut-être me permettre de démarrer une carrière dans le chant. Ce serait génial. 17. Donc faire le métier qui me plaît. Donc, je voudrais vraiment faire un métier dans le dessin ou dans l'audiovisuel. Donc le dessin, vous savez, j'aime dessiner. Et puis l'audiovisuel, ben, YouTube, tout simplement. Et j'aimerais bien plus tard peut-être travailler dans l'un des deux. Ou peut-être les deux, qui sait, hein. Donc je voudrais bien ben, travailler dans ce que j'aime. Voilà. Une fois, ce serait ben, pour dormir à la belle étoile, mais vraiment, genre en campagne ou quoi, comme ça. Mais dormir, ben, et puis vous avez les... Bon, faut qu'il fasse beau aussi, hein, on est d'accord. Mais vraiment, il fait, vous voyez, vous levez la tête juste et puis vous voyez les étoiles, les constellations. Ça a l'air juste magnifique. 19. Avoir un matériel professionnel pour mes vidéos. Donc là, certes, j'ai le trépied, mais ça serait bien, par exemple, si j'aurais une autre caméra. Parce que vous voyez, je voulais prendre une caméra, mais bon, le souci, c'est que je ne pouvais pas transmettre les vidéos sur le téléphone. Il fallait que je fasse par l'ordinateur, ensuite par le téléphone, et ça prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc vraiment quelque chose de pro. Ou par exemple, vous voyez que si je fais des vlogs, que ce soit à la piscine ou quoi, avoir peut-être une GoPro, ce serait bien pour pouvoir filmer sous l'eau ou quoi. Donc ce serait génial. En 20, avoir un jour les 100 000 abonnés. Je sais qu'on en est capable, donc bah, je croise les doigts et puis j'ai hâte, peut-être que ben, le jour où on passera le cap des 100 000 abonnés, ce sera génial. En 21, donc enterrer une boîte
avec des souvenirs dedans. Et il l'a déterré plusieurs années plus tard. Donc ça a l'air vraiment. Là, vous voyez, vous avez votre boîte et puis vous mettez des souvenirs à vous dedans et vous l'enterrez. Et après, même, vous voyez, c'est. Là, imaginez, j'enterre ma boîte aujourd'hui et puis je la déterre quand j'ai 30 ans. Et là, vous voyez, les souvenirs qui reviennent et tout ça. Ça permettrait de se remémorer le passé et même de montrer à mes enfants, vous voyez, ben avant j'avais ça, je faisais ça et tout ça. Me faire complètement confiance, parce que c'est vrai que ben, je manque beaucoup de confiance en moi. Franchement, ben, des fois, ben, j'hésite pour le moindre petit truc. Donc j'aimerais essayer de me faire un peu plus confiance au cours de ma vie. Adopter un animal ou plusieurs à la SPA. Parce que bah, ces animaux, certes, ils ont rien passé douloureux, donc essayer de leur offrir une nouvelle vie pour qu'ils soient heureux avec un nouveau maître, ce serait génial, quoi. Surtout que bah, on est en période de vacances, et puis souvent, les gens qui partent en vacances, bon, maintenant, c'est la fin, abandonnent leurs animaux des fois, donc ne faites pas ça, quoi. Réfléchissez, si vous savez qu'avec un animal, ça va être dur, bah, n'en prenez pas. Parce qu'après, pour l'abandonner par la suite, ça sert à rien. Donc voilà. Ensuite, en 24, ce serait pour réussir tous mes examens. Donc là, j'ai déjà réussi le brevet. Donc plus tard, ben, pour réussir le bac, passer ben, le code, le permis de conduire, et puis même d'autres examens plus haut. Voilà, donc pour tout réussir, ce serait. Je sais que je suis bonne élève, mais bon, il suffit qu'il y ait un petit truc, et puis c'est bon, il y a tout qui. Ça devient n'importe quoi. En 25, donc ce serait pourquoi pas faire un tour en montgolfière. Ça a l'air grave bien. Là, vous voyez, être en hauteur, voir tout ce qui se passe, voir tout en petit, voilà. Faire un petit tour en montgolfière. 26, avoir les cheveux extrêmement longs pour pouvoir faire plusieurs dons de cheveux à l'association Solidaire. Donc, sinon, je vous la remettrai de nouveau ici, la vidéo. Et ma story time où j'avais fait un don de cheveux pour Solidaire. Et donc, je compte en refaire un. Mais ce qui serait bien, c'est que, vous voyez, on est comme un. En un claquement de doigts, et ben on peut avoir les cheveux super longs et ça permettrait de faire plusieurs dons d'un coup comme ça. J'aimerais tellement que ça se passe comme ça. Vas-y, ce serait pourquoi pas apparaître dans un film, même si c'est un petit rôle, même si je suis juste de passage ou alors je suis vraiment juste je passe, même si je dis rien ou quoi, pourquoi pas apparaître dans un film, ce serait sympa aussi. En 28, ce serait pour monter sur scène avec un artiste et chanter avec lui. Donc, un artiste n'importe lequel, même si c'est un groupe ou quoi, même si, imaginons, on fait connaissance et puis je monte sur scène avec. Bah, comme dans A Star Is Born, le film de Lady Gaga, bah, vous voyez, c'est pareil. De base, Lady Gaga, bah, c'est qui joue bah, un des personnages principaux, et ben bah, elle est rien. Et puis le chanteur, il lui propose de venir avec elle chanter sur scène. Donc, pourquoi pas qu'il m'arrive la même chose? Ce serait exceptionnel. En avant-dernier, ce serait ben, continuer, mais vraiment lutter contre la protection de l'environnement et des animaux. Parce que vous savez, ben, la planète est en péril. À partir de 2050, elle ne sera plus très habitable. Les glaciers fondent rapidement. Il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition. Donc, continuer à lutter comme ça. Et puis, même qui sait, réussir à faire un mouvement ou quoi. Donc, ce serait bien. Et enfin, en dernier, ce serait de vous rencontrer, vous. Certains abonnés me connaissent, me croisent dans la rue, dans mon village et tout ça, mais il y en a certains qui habitent quand même assez loin de chez moi. Donc ça serait sympa, pourquoi pas. J'aimerais bien vous rencontrer une fois. Une fois vous rencontrer, puis vous pouvez me poser des questions, et puis si vous voulez commencer une chaîne, je peux vous aider à la faire, voilà. Et ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées quand même, qui habitent pas loin de chez moi. Mais d'autres qui habitent quand même assez loin, et puis je voudrais bien, pourquoi pas, ben, vous rencontrer, ce serait vraiment exceptionnel. Donc du coup, voilà pour ma bucket list. Donc il y avait 30 choses que je souhaite faire avant de mourir. Et comme je vous l'ai dit, dans ma pochette, j'ai également une bucket list scolaire, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et moi,
Je vous dis à la prochaine. Salut!